très belle victoire. Hein. Donc, j'imagine que c'est un exploit, on va dire, contre l'une des meilleures équipes du championnat. Oui, on peut dire. Bon, honnêtement, on partait pratiquement à jeu égal sur le terrain, en termes d'effectifs et tout. On savait que c'était l'équipe qui devait le plus en vouloir, en fait, qui allait finir par prendre le match. Ce qui fait qu'on a tenu le coup jusqu'à la fin du match et voilà quoi. Qu'est-ce qui a été votre force sur cette rencontre? Ce match, on a joué ensemble. C'est ça en fait le truc. Nos difficultés qu'on a souvent la plupart du temps, c'est beaucoup de jeux individuels et tout. Mais cette fois-ci, on a réussi à recadrer ça. On a fait des semaines et des semaines de travail sur ça. On a réussi à sortir un jeu collectif. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir la victoire. La fin de match, vous y étiez, le Duc était presque revenu. C'était quoi le problème et comment vous avez géré cette fin de match? Le problème, je peux dire souvent, de la précipitation. De la précipitation, l'envie de vouloir vite gagner, l'envie de vouloir vite enterrer le match. Et c'est là qu'on fait des erreurs, avec le manque un peu d'expérience et tout. Mais voilà, on a continué à batailler sur la défense et c'est notre défense qui nous a permis de... Voilà. Vous avez battu une grosse équipe, alors la suite, vous imaginez quand même, ça va vous remotiver davantage? Oui, surtout après la défaite qu'on nous a accordée lors de la première rencontre. On avait absolument envie de gagner ce match pour pouvoir se relancer sur les phases aller. Avec cette victoire, c'est déjà un plus, c'est un plus au cœur pour montrer que le travail acharné en fait conduit à que du positif en fait. Donc là maintenant, on se prépare pour le prochain match le samedi, et Inch'Allah, ça ira.